have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Je suis trop contente. Ça fait deux vidéos que j'ai faites qui n'étaient pas vraiment des vlogs lecture. Du coup, je suis contente de vous retrouver dans ce format de vidéo. J'espère que vous allez bien. On va passer la première semaine de janvier ensemble. Je suis arrivée hier soir à Paris vers minuit. Donc, j'ai pas eu le temps de faire grand chose hier soir. On est rentré, on s'est couché après, s'être brossé les dents et tout ça. Mais du coup, ce matin, j'avais vraiment ressenti le besoin de nettoyer, de ranger, de faire des lessives, de faire des courses pour repartir sur le bon pied et pas avoir à faire ça du reste de la semaine. Donc voilà, j'ai fait des bonnes courses, ouais, des très bonnes courses même. Je me suis acheté de quoi faire du pesto maison, on fera ça ensemble tout à l'heure. C'était un peu activité ménage, rangement ce matin. J'ai rangé aussi toute mon armoire. Oh, ça fait trop du bien ça, quand l'armoire est en bordel et que d'un coup elle est toute bien rangée, tout est bien plié au bon endroit et tout ça. Un plaisir. Bon, je vous avais parlé dans un vlog, je sais plus lequel maintenant c'est, ça devait être le deuxième peut-être, que j'avais perdu ma carte Navigo. J'en avais recommandé une et elle n'est toujours pas arrivée, donc je vais aller râler au comptoir. Je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou demain, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas trop besoin de sortir, mais demain il faudra absolument que je sorte pour aller à la bibliothèque et à la salle de sport. J'ai trop envie d'y aller, ça me manque trop. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Oui, sur une note plus positive, on va enfin commencer ce roman dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, que je vous ai dit que je voulais lire cette année et que vous avez été assez nombreux à me recommander. Et ouais, dans les commentaires vous étiez nombreux à me dire qu'en fait il était vraiment bien et que c'était pas une lecture qui devait tellement me faire peur. Donc ça me donne encore plus hâte de le lire. Et c'est Aurélien d'Aragon, j'ai cette édition. Je l'avais acheté d'occasion, donc bon, peu importe l'édition en fait, hein, je voulais juste avoir Aurélien. Mais je l'aime bien parce que sur la page, la colonne d'écriture est assez fine. Du coup, je pourrais mettre des trucs dans la marge si je veux, et puis c'est plus agréable à lire, je trouve. Bon, c'est un gros mastodonte. Il fait 697 pages, donc autant dire 700 pages. J'ai lu la préface déjà, dès que je l'ai acheté en fait, j'ai lu la préface. Enfin, est-ce que c'était vraiment une préface? Oui, c'était la préface d'Aragon qu'il avait rajoutée parce que, enfin, pour répondre un peu aux demandes, aux questions et aux critiques qu'il avait reçues par rapport à Aurélien. Et j'ai trouvé cette préface assez intéressante. Il y a des phrases qui m'ont assez marquée, je vais vous les lire. Par exemple, page 12, le roman exige... Je suis désolée, il y a le voisin qui fait des travaux. C'était déjà comme ça avant les vacances, je sais pas si vous aviez entendu pendant que je faisais la revue sur Dorian Gray. Bon, je vais vous lire quand même parce que faut faire avec. Le roman exige qu'on rende vraisemblables les individus et les faits en les ramenant à des proportions plus tolérables que celles de notre vie. Des proportions qui ne soient pas celles des traîtres du mélodrame, mais qui correspondent à l'âme du lecteur plus qu'à la psychologie supposée du méchant. C'est trop bien, ça pourrait trop être un sujet de dissertation ça. Là aussi il y a une citation intéressante. Enfin, j'ai toujours prétendu qu'il fallait non point regarder la réalité à la loupe, mais au contraire la sous-écrire. Donc en fait là il répond peut-être aux réalistes et à Victor Hugo. Il semble qu'il y a une citation de Victor Hugo avec une loupe. Attendez, je vais regarder. Bon, je retrouve pas sur internet, si jamais je la retrouve dans mes documents, moi je la mettrai quelque part sur l'écran. Oh, ça me frustre de pas retrouver ça. Bref, ça reviendra. Et aussi ça va être une vraie clé de lecture, je pense, pour le roman. Aurélien n'est pas un livre à clé, ou tout au moins, c'est un livre à fausse clé. Et ensuite, j'ai tendance à penser que ce qu'il y a de précieux dans le roman, c'est tout juste le lien entre le romanesque et le réel, ce qu'il y a dans le journal et ce qu'il y a dans une chambre quelque part, entre un homme et une femme par exemple. La dernière phrase... Aurélien, c'est celui qui a aimé et dont l'histoire a fait cet homme qui est étranger à son amour. Ça, c'est beau. Ouais, bref, ça donne trop envie. Je vais vous lire le petit blabla qu'il y a sur la quatrième de couverture pour vous raconter un peu l'histoire.
Aurélien tombe amoureux de Bérénice Morel qui, de sa province, est venue passer quelques jours à Paris. Puis les circonstances de la vie éloignent Aurélien et Bérénice sans que cesse leur amour, mais aussi sans que leur amour puisse exister vraiment. En 1940, mobilisé, Aurélien rencontre Bérénice, une Bérénice en laquelle la femme nouvelle tente de naître. Mais quelques heures plus tard, elle est tuée par les Allemands à côté d'Aurélien en voiture. Bon, j'espère que ça arrive vite dans le roman, parce que sinon on s'est fait spoiler, mais... Non, je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Et en fait, la photo sur la couverture, apparemment, c'est une photo de Man Ray. Vous savez, c'était un photographe qui appartenait au mouvement Dada. Donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce livre. Mais je vais pas tout de suite faire ça. Je vais d'abord travailler un peu sur mon mémoire et commencer un projet de vidéo que j'ai juste trop hâte de commencer. C'est un projet qui verra pas le jour sur YouTube avant quelques mois parce que ça va me prendre du temps à préparer. Mais j'ai hâte que vous voyez ça. Je vais pas trop en dire parce que je vais garder la surprise. Book I want for you to read, filled up with empathetic love and curiosity. Tell me, why do you always hide yourself away? And darling, I think you're so much more than just a pretty face. My heart is an ocean filled with endless devotion on the cliffs of emotion, baby. I think it's time you took a jump. Don't stop your crying, baby. I wanna be the one to wipe your tears. I can't stop the raindrops falling, but I can make them disappear. Il est 17h30, je suis désolée, il fait déjà tout noir. Je reprends la caméra. Excusez-moi, je viens d'être distraite par une suggestion de vidéo sur Andrew Garfield sur mon téléphone. Dans ma vie, j'ai dû avoir 4-5 crushs différentes sur cet acteur, mais c'est pas grave, on va pas en parler maintenant. Je vous parle de ça, c'est un peu gênant. Anyways, je reprends la caméra à 17h30, j'attends impatiemment qu'Océane arrive et j'ai hâte de la voir, elle m'a manqué pendant les vacances. Et je vais commencer Aurélien, j'ai à peu près fini le travail que je devais faire cet après-midi. Donc je vais commencer Aurélien, mais avant ça, il y a autre chose que je dois faire. Et c'est mon petit latin, parce qu'en fait j'ai décidé que jusqu'à la fin de la grecque, et peut-être ce serait bien jusqu'à la fin de mes jours... mais c'est un peu ambitieux jusqu'à la fin de mes jours. Je vais alterner, un jour je fais des petits latins, un jour je fais du petit grec, parce que ça aide vraiment à apprendre une langue quoi, d'en faire un peu tous les jours. Et je pense que c'est ce qui me manque pour vraiment me perfectionner en latin et en grec, de côtoyer ces langues plus souvent. Donc là je vais faire mon petit latin, le but c'est pas de faire 50 pages, donc en fait pour ceux qui font pas de latin et de grec, c'est vrai que c'est pas une évidence. En fait il y a des éditions comme ces éditions des belles lettres, où d'un côté de la page, enfin sur une des pages vous avez une traduction en français et sur l'autre vous avez le texte d'origine en latin ou en grec, ça marche aussi pour le grec ancien. Et en fait faire du petit latin ça consiste à lire le latin et à essayer de comprendre par soi-même et après de vérifier ce qu'on a compris en regardant la page d'à côté. Donc là je vais en faire dans, là, je vais en faire dans Petite Livre, le livre 5 de l'histoire romaine, c'est un livre qui sera à l'agrégation l'année prochaine et c'est un peu le seul livre que j'ai là ici, donc je pense que si je fais une ou deux pages ce sera chouette. Je pense que je vais faire le premier paragraphe, ça sera bien déjà. Running through an open door. Et
Hello tout le monde, on est le lendemain, c'est déjà le début de l'après-midi. J'ai pas pris la caméra ce matin parce que j'ai rien fait très intéressant. J'ai pas mal lu par contre, donc j'ai un peu avancé dans Aurélien. Et j'ai aussi commencé hier soir, attendez, on va se poser, ce sera plus simple. Voilà, c'est mieux. Oui, donc hier, j'ai un peu avancé dans Aurélien. J'ai pas lu non plus 25 chapitres, j'ai vraiment lu genre le début. Pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est que on a l'impression d'avoir un narrateur omniscient extérieur au récit, mais on a beaucoup de focalisation interne et de discours indirects libres, et du coup parfois ça donne l'impression un peu que... Enfin, on sent qu'Aurélien il se raconte des histoires, qu'il n'est pas honnête avec lui-même parfois et qu'il n'est pas non plus honnête avec le lecteur. Et du coup je trouve que ça c'est assez intéressant, je sais pas si j'ai tort de ressentir ça, on verra dans la suite du roman si c'est pertinent ou pas. Mais par exemple dans le premier chapitre où il parle de cette Bérénice qu'il a rencontrée, il nous dit qu'il se souvient même pas s'il était blonde ou si elle était brune, enfin il a aucun souvenir d'elle, elle l'a pas intéressé, c'est ce qu'il prétend en tout cas, parce que la première phrase du deuxième chapitre c'est Bérénice était blonde en gros. Donc il se souvient très bien de sa couleur de cheveux en fait. J'espère que du coup le roman va explorer un peu la manière dont Aurélien, après avoir traversé les épreuves de la guerre, se ment un peu à lui-même et refoule pas mal de trucs en fait, notamment son désir d'être amoureux. Parce que bon, j'imagine que quand on a vécu quelque chose d'aussi traumatisant, on s'autorise pas en quelque sorte à vivre quelque chose de joyeux après. Donc voilà, je pense que c'est un peu là que veut en venir Aragon avec ce discours indirect libre et cette focalisation intérieure un peu mensongère. Donc on verra plus tard si j'ai raison ou pas. Et puis hier j'ai aussi commencé un autre livre qui est lui aussi un mastodonte, mais je pense que c'est un livre qui se lâche pas et qui se lit plus vite. Donc voilà, je pense que ce sera moins complexe que de lire Aragon, c'est Outlander, le premier tome d'Outlander de Diana Gabaldon. C'est une de mes séries préférées, genre vraiment de tous les temps. Il y a pas mal de réflexions sur le temps et comment il s'agence, quelle place il prend dans nos vies, etc. Et c'est des réflexions que je me fais un peu en ce moment. C'est aussi une atmosphère complètement différente. Si on cherche à s'échapper à travers un livre, je pense que c'est vraiment le roman parfait. Les personnages sont tellement bien construits qu'on a l'impression de les voir, de les connaître, et moi à chaque fois que j'arrête pendant un moment de regarder la série en attendant la saison suivante, il y a toujours un moment ou un autre où les personnages commencent à me manquer, et genre comme si c'était des vraies personnes. Donc voilà, j'ai pris le roman, je suis trop contente de le lire enfin. Voilà, bon, j'en suis pas très loin, hein. Je suis encore dans le premier chapitre. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, qui auraient pas vu de la série, on suit une jeune femme dans les années 40, donc juste après la guerre, qui s'appelle Claire Beauchamp. Et qui est mariée à, je sais plus son prénom, Frank Randall, qui est un historien, et en fait elle était infirmière de guerre, et donc ils ont été séparés pendant la deuxième guerre mondiale, et ils se retrouvent, ils font en quelque sorte une deuxième lune de miel en Écosse à Inverness, et en fait un soir ils assistent à un rituel de sorcière qui a lieu au milieu de pierres un peu en mode Stonehenge, je sais pas si vous voyez des espèces de constructions de dolomites, etc. Et en fait le lendemain Claire retourne sur place parce qu'elle a perdu quelque chose là-bas, et elle se sent appelée par une des pierres, elle la touche et elle se trouve transportée 300 ans en arrière, mais au même endroit. Et il va falloir qu'elle s'adapte à cette nouvelle vie parce qu'elle ne sait pas comment rentrer. Il y a du voyage dans le temps, et ça c'est un thème que j'adore. Un des premiers livres que j'ai lus quand j'étais enfant, et qui reste un de mes livres les plus nostalgiques au jour d'aujourd'hui, c'est Le Livre du Temps de Guillaume Prévost, je crois. Et qui était juste incroyable. Et voilà, ça parlait de voyage dans le temps, ça m'a fait découvrir un peu l'histoire. C'est ce qui m'a le plus fait aimer l'histoire, ce livre. Et donc Outlander c'est un peu le même principe, donc voilà, je suis contente de le lire. Et donc voilà, bref, je vais arrêter de parler de ça. J'aimerais bien me trouver encore un livre, mais court, histoire de réussir à finir quelque chose cette semaine quand même. Mais j'en ai pas trop qu'il me faut envie dans ma bibliothèque ou quoi. Donc on va aller à la librairie. J'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté un livre. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Too long till we arrive the coming day.
restless face, 'cause it's so hard to keep it all together ever since we left. I guess it just makes sense to what the reasoning was when I said, in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, 'cause there I really miss the shade. Bon les amis, je suis désolée, il fait de nouveau super sombre et moche. Je peux rien faire, il fait pas jour dehors, donc voilà, c'est comme ça. Donc cet après-midi, je suis allée à la librairie. J'ai quand même trouvé pas mal de livres, je suis contente. Je me suis un peu fait plaisir quand même. Du coup, je vais vous faire un petit book haul de ce que j'ai acheté. J'ai acheté 5 livres et je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. Alors le premier que j'ai acheté, j'étais trop contente de le trouver parce que déjà il m'a coûté que 1,50€ et genre il est trop trop beau. Bon... Il est un peu abîmé mais c'est normal. Et en fait c'est une édition reliée de l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc ça c'est la première page et il ressemble à ça. Donc il y a des enluminures dorées et sur la tranche aussi. Il est vraiment juste trop beau. J'avais pas d'édition papier de Dr Jekyll et Mr Hyde. Bon il est en traduction mais c'est pas trop grave. C'est la traduction d'Armel Gern. Je connais pas mais bon, j'espère que ce sera une assez bonne traduction, on verra bien. Ensuite je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris un livre qui n'est pas un classique. J'avais prévu d'acheter Amnette. Vous savez, je vous avais dit que c'était un des livres que je voulais lire en début d'année. Et en fait il l'avait plus à la librairie. Donc j'étais un peu triste. Mais j'ai pris un autre livre dans le même genre. Enfin dans le même genre, plutôt dans le genre du Chant d'Achille. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais dévorer d'un seul coup. Et c'est, je sais pas le titre en français, sûrement Les Enfants de Jocaste, de Nathalie Haynes, The Children of Jocasta. Ça a l'air très bien. Du coup ça, c'est un roman qui se passe à Thèbes, parce que Jocaste c'est la femme et la mère d'Œdipe. Donc voilà, on va être plongé ce coup-ci, pas dans l'Iliade, pas dans l'Odyssée avec Circé. On va être plongé dans une tragédie, qui est la tragédie d'Œdipe. Donc j'ai assez hâte. On va rencontrer Œdipe, on va rencontrer, j'imagine, Antigone, on va rencontrer Ismène et Créon, j'imagine aussi. Donc voilà, j'ai assez hâte de lire ce livre, j'ai hâte de voir ce qu'il contient. Est-ce que Nathalie Haynes a pu faire de ce mythe. Mais je vais pas lire tout de suite parce que maintenant j'ai commencé plein de livres et il faut que je les finisse. Ensuite j'ai acheté un livre qui n'est pas un livre de fiction, c'est un livre philosophique slash historique, parce que l'auteur en fait c'est un historien, c'est Luc Ferry, et ce livre c'est Qu'est-ce qu'une vie réussie. Je sais pas, ça m'a interpellée comme livre et du coup j'ai regardé la quatrième de couverture pour voir ce dont parle ce livre et j'ai trouvé le quatrième de couverture trop intéressante. Je vais vous le lire pour vous montrer pourquoi. Nos sociétés nous incitent à penser la réussite sur le mode du rêve éveillé. Rêve de possession, rêve de séduction. Pour répondre à la question de la vie bonne, les sagesses anciennes invitaient les hommes à régler leur vie sur des principes transcendants. Elles voyaient par exemple en l'harmonie de la nature ou la splendeur du divin des modèles à imiter. Longtemps encore après la mort de Dieu, l'humanité a éprouvé le besoin de sacraliser des idéaux, la patrie, la révolution, pour donner un sens à l'existence. Ce livre évoque les grandes réponses apportées par nos prédécesseurs, et au-delà, il suggère une voie nouvelle. Peut-être inaugurons-nous, sans bien y prêter attention, l'époque du réenchantement du monde. Ça a l'air trop bien. J'ai pas lu grand-chose de Luc Ferry, il est assez médiatisé, assez connu, donc je sais pas trop ce que vaut son travail, mais ce que j'ai lu de lui, c'est une conférence qui s'intitule « La tentation du christianisme » qu'il a faite avec un autre collègue universitaire. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça synthétisait bien tous les enjeux de mes cours de l'année dernière sur le christianisme antique et tout ça. Et j'avais trouvé ça intéressant, donc je pense que ça devrait être aussi intéressant ça. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Il est assez long donc je pense pas que ce sera pour tout de suite non plus. Mais voilà, j'ai un peu sauté dessus, il était à 4,50€ en occasion donc voilà. Ensuite, le quatrième livre que j'ai acheté, c'est un tout petit livre qui ressemble un peu à l'anthologie d'éthique animale que je vous avais présentée dans la toute dernière vidéo. Mais c'est une version minuscule qui s'appelle Tous végétariens et qui est
édité chez Folio. C'est aussi des extraits comme ça de textes de personnages connus, d'auteurs connus sur le végétarisme plus particulièrement et pas juste sur les animaux. J'espère qu'il y aura des textes qui n'étaient pas dans la grosse anthologie. Je sais pas s'il y aura des textes que j'ai pas encore lus, mais bon. Et le tout dernier livre que j'ai trouvé, c'est un peu une merveille, j'étais contente de le trouver. Je pensais pas du tout acheter ça aujourd'hui, mais bon, il m'est tombé dans les mains, donc... Il reste, ça va rien vous dire la couverture parce que c'est pas écrit dessus ce que c'est. Pareil, c'était un livre d'occasion et en fait c'est toutes les œuvres biographiques de Rousseau. Donc c'est trop chouette parce que dedans il y a Le Persifleur, Les Lettres à Malesherbes, Une ébauche des confessions, Les Confessions en entier. Je les avais pas, j'avais que les livres 1 à 4 je crois et dans une édition poche toute jaunie. Donc bon, ça méritait que je les ai en entier parce que Rousseau c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Il y a aussi Rousseau juge de Jean-Jacques, Les rêveries du promeneur solitaire et le testament. C'est vraiment un beau livre et en plus il y a une introduction de Starobinski, The spécialiste de Rousseau. Il a écrit tout un livre que j'ai trop envie de lire depuis longtemps. Mais bon, c'est de la critique littéraire et il est assez énorme. Attendez, je vais vous retrouver le titre. Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. Ça a l'air vraiment bien, on en avait parlé vite fait en prépa. Et depuis je l'ai dans un coin de ma tête et un jour je le lirai. Mais j'attends aussi d'avoir peut-être lu plus de Rousseau, donc ça sera l'occasion. Et du coup je vais peut-être lire un des livres qui se trouve là-dedans comme livre court dont je parlais tout à l'heure. Je voulais quelque chose de plus court à lire cette semaine pour pouvoir me dire que j'ai fini un livre cette semaine. Parce qu'à mon avis Outlander et Aragon ça va me prendre plus longtemps. Du coup je pense que je vais lire un des petits livres là. J'ai envie de plonger un peu dedans. Je vais lire Le Persifleur, c'est vraiment minuscule hein. Ça fait 5 pages. Donc je vais lire un peu ça ce soir. Et puis sinon cet après-midi du coup une fois que j'avais acheté tous mes livres, je me suis posée dans une bibliothèque et j'ai pas mal travaillé. Je crois que je suis restée 4 heures, un truc comme ça, à travailler sur mon mémoire. Donc c'était plutôt productif comme après-midi. Je suis aussi allée à l'agence Navigo, à mon arrêt de métro. Et ils m'ont dit d'envoyer un mail et que ça devrait être réglé. Ils ont eu un bug informatique en décembre ou je sais pas quoi. Si je la reçois bientôt, ça me va. Allez, c'est parti, on va lire un peu Rousseau. Alors je viens de finir Le Persifleur de Rousseau, je vais vous lire une phrase que j'ai bien aimée. Apparemment c'est grâce à ce texte, Le Persifleur, que D'Alembert a découvert Rousseau. Et en fait c'est vrai que, enfin je vous lirai la fin après, mais pour le coup ça sent les prémices des Lumières. Mais du coup la phrase que je voulais vous dire juste avant c'est un petit conseil de dissertation. Alors Rousseau écrit « J'ai de plus acquis un petit recueil de passages latins, tirés de divers poètes où je trouverai de quoi broder et enjoliver mes feuilles, en les ménageant avec économie afin qu'ils durent longtemps. Je sais combien les vers latins, cités à propos, donnent de relief à un philosophe. Et par la même raison, je me suis fourni de quantités d'axiomes et de sentences philosophiques pour orner mes dissertations quand il sera question de poésie. » Je trouvais ça drôle de trouver ça là chez Rousseau. Et ensuite, le tout dernier paragraphe de ce texte, ça m'a vraiment fait penser que ouais, Rousseau a senti le vent venir et que c'est vraiment un auteur qui a eu beaucoup d'importance pour les Lumières, évidemment. Et il dit « Il me reste à faire excuse d'avance aux auteurs que je pourrais maltraiter à tort et au public de tous les éloges injustes que je pourrais donner aux ouvrages qu'on lui présente. Ce ne sera jamais volontairement que je commettrai de pareilles erreurs. Je sais que l'impartialité d'un journaliste ne sert qu'à lui faire des ennemis de tous les auteurs, pour n'avoir pas dit, au gré de chacun d'eux, assez de bien de lui, ni assez de mal de ses confrères. C'est pour cela que je veux toujours rester inconnu. Ma grande folie est de vouloir ne consulter que la raison et ne dire que la vérité, de sorte que suivant l'étendue de mes lumières et la disposition de mon esprit, on pourra trouver en moi tantôt un critique plaisant et badin, tantôt un censeur sévère et bourru, non pas un satirique amer ni puéril adulateur. Les jugements peuvent être faux, mais le juge ne sera jamais inique. » Il y a le mot lumière, du coup ça m'a fait tilter et je trouve que ce passage est assez significatif du projet de Rousseau et c'est un texte qu'il faut pas prendre partout au pied de la lettre. Je pense que c'est l'erreur que font les gens qui disent qu'ils aiment pas Rousseau, de le prendre trop au sérieux en fait. Je pense pas qu'ils se prennent autant au sérieux qu'on veut bien le croire. Souvent on lui reproche d'être prétentieux, etc. Mais je pense qu'il fait un peu d'humour là-dessus.
Je suis en train de cuisiner et je me suis dit que je pourrais vous montrer ce que je fais en fait. Genre je sais pas si ça vous intéresse. Mais c'est une recette que je fais assez souvent parce qu'il y a plein de légumes dedans d'un seul coup et c'est super bon. En fait c'est juste un chili vegan. Donc en gros j'ai mis une demi-courgette, un poivron jaune et une carotte. Bon après vous pouvez mettre un peu tous les légumes que vous voulez et que vous avez. Souvent je mets de l'oignon aussi avec. Mais j'en ai plus qu'un et je vais le garder pour autre chose. Et là j'ai mis un tiers de bouillon. Et je vais mettre un peu d'eau au fond pour que ça déglace. Et que ça fasse fondre le bouillon. Parfois je mets du tofu que j'ai émietté. Mais là je vais pas en mettre parce que j'en ai déjà mangé hier du tofu. Du coup là je vais prendre du maïs, des haricots rouges. Et puis la dernière chose qu'il vous faut pour cette recette c'est de la sauce tomate ou du coulis de tomate. Là il faut que les légumes y cuisent. Et du coup je vais en profiter pour mettre les épices. Donc je vais mettre du piment de cayenne. J'aime bien quand c'est épicé. Donc piment de cayenne, un peu de curry. Je vais mettre un peu de persil. En vrai vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et du paprika. Il fait trop beau dehors aujourd'hui, du coup je vais sortir. Il faut d'abord que je passe à la Sorbonne pour rendre des livres à la bibliothèque, ça je vous en avais parlé hier je crois. Mais après on peut se promener tranquille, faire un peu ce qu'on a envie. Je pense que je vais emmener mon livre et de quoi faire du petit grec si jamais je veux me poser un moment, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs. Je vais emmener ça. Je vais emmener Outlander parce que j'ai bien lu ce matin et ça me dit bien de continuer. Je voulais rapidement parler des quelques pages que j'ai lues d'Outlander. Attendez, je m'assois juste. Quelque chose dont je m'étais pas rendu compte en regardant la série, c'est qu'en fait ça propose une explication à l'existence en fait des cercles de Dolomites, vous savez, un peu comme Stonehenge et tout. Parce que c'est vrai que c'est des objets dont on connaît pas l'usage, on sait pas à quoi trop ils servaient à l'époque préhistorique. Certaines hypothèses, ça peut être que ce soit un marché, que c'était un lieu d'exécution, que c'était un lieu un peu comme un temple, parce que parfois il y a des hôtels au milieu. Mais en fait elle donne une proposition un peu fantastique qui est que ça servait à voyager dans le temps. Donc voilà, j'avais jamais pensé à ça sous cet angle. Dès la fin du premier chapitre, je commence un peu à avoir des papillons dans le ventre et à avoir hâte de lire la suite, parce que il y a eu, vous savez, pour ceux qui ont regardé Outlander, le passage où le fantôme de Jamie rencontre Frank, mais au tout début. Si j'avais pas vu la série, je saurais pas qui c'est, mais je sais qui c'est, du coup j'étais contente d'en entendre parler. Bon après, pour me représenter les personnages, évidemment je vais me les représenter à travers les acteurs, parce que déjà ils étaient super bien choisis. Parce que Claire, même si elle a une espèce d'insouciance dans le sens où elle est assez pétillante et les trucs intellectuels de son mari ça l'intéresse pas trop, ce qui est moins le cas dans la série je trouve. Bah elle a quand même vécu la guerre quoi, elle a vu des trucs, donc elle est censée avoir une certaine maturité. Donc je trouve que c'est génial l'actrice qu'ils ont prise, parce que elle est vraiment esthétiquement parfaite, genre vraiment comme dans le livre. Elle est trop belle, mais en même temps elle a un visage mature, je la trouve géniale. Et Jamie c'est un peu pareil en fait. Ouais, bref, je dis un peu tout ce qui me passe par la tête, mais voilà, j'avais envie de vous en parler, parce que j'ai trop aimé, pour l'instant en tout cas. Allez, Maureen, on se bouge. From a movie scene, tomato people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know where I'm going, isn't far, but in case I go, no need to be stressed, gotta take it home. I really miss
J'ai fini par passer pas mal de temps à la bibliothèque. J'avais pas prévu ça, je pensais juste rendre mes livres. Mais il y a un des livres que je pouvais pas rendre en bas sans rentrer dans la bibliothèque parce qu'il venait d'être réservé. Du coup, j'ai dû rentrer dans la bibliothèque et puis j'ai fini par travailler pendant 2-3 heures là-bas. Mais du coup, à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre qui va être super pratique, que j'avais pas vu la dernière fois. Et qui s'intitule « Introduction à l'histoire des origines du christianisme ». Et en fait, ça me va m'être très utile, rien que pour mes séminaires, mais aussi parce qu'il y a tout un passage sur le genre hérésiologique, la littérature hérésiologique, et sur les hérésies en général. Donc ça va être trop pratique. Je vais travailler un peu sur ça, je pense, là, maintenant, tout de suite. Et puis après ce soir, je vais essayer de me faire une soirée un peu plus tranquille. J'ai le temps de travailler une bonne heure là, une heure, deux heures. Et puis ensuite, je me poserai, je prendrai peut-être un bain, je me lirai un livre. Ça va être...